Good morning, Noah. Good morning. Yeah? Do you want to go on a boat? Yeah. Say hi, Daddy. Hi, Tootie. We're going to take a boat. Noah, we're going on a boat? So much to be said. Hey, no, are we gonna take a boat? Feeling like we're winning. Are you happy? Feels like we're ahead. Joseph, are you overjoyed? Running through fountains, it's my baby. Running, we're free. Good. Keep moving. Running through fountains, my baby. Running with me. The roller coaster, you and me. Yeah. Ride the roller coaster. No, what you eating? Applesauce? This is how the story goes. And so the story goes. To my brother Dope. It's like the peaks and lows you reach before. Life never seems to coast. How you deal to each zone. Some don't speak or moan cause the pride is numb. Some strap up for the vibe that comes on the tracks of depression, detracting progression, a passion that's matinale parce que Joseph il a besoin de dormir et que avec le décalage horaire il est 6h30 du mat plutôt que 7h30 et le petit déj commence qu'à 7h30. Donc voilà. On s'amuse comme des petits fous. Il dort vachement. If only our crew could just command it in the beat up. We rap soul seekers cause it was so we meeting. But now as we dance it's just soul we're seeking. Did the wave get you? Running through fountains, my baby. Running, we're free. Même parent, bébé différent. Running through fountains, my baby. Are you sitting up? Are you sitting at the beach? Running with me. You are so cool. Eric, rappelle des choses. Oh punaise. Dans les magasins de Noël. Les Noël au Royaume-Uni sont absolument magiques. D'ailleurs, dès le mois de juillet, il y a des partout. Samedi, en ce qui nous concerne, souvenez-vous qu'on est une famille normale et gentille. On a besoin chez nous pour rappeler aux enfants. Oh, c'est pas gentil, je... Daddy, ça veut dire papa, tu es génial. Et l'autre, c'était prof bizarre, non, prof apprécié. And we have a kitchen because it came with the house. J'ai une cuisine juste parce qu'elle est venue avec la maison. C'est pour toutes ces mamans qui cuisinent pas, qui n'ont pas le temps, qui n'aiment pas cuisiner. Il n'y a pas de problème. Oh, c'est le panneau préféré de ma maman et de ma sœur. S'il fait un gros panneau, mon cœur, je pense que il faut vérifier que ce soit de vrai anglais. Moi, je vois tellement de t-shirts et de panneaux, c'est écrit en anglais. Et franchement, ça veut rien dire. Donc vérifiez l'orthographe si vous pouvez. Mettez-le dans Google Traduction en fait. Non, c'est pourri. Mais trouvez-vous un anglophone parce qu'il y a des trucs. Ouais, demandez-nous, c'est vrai. Écrivez-nous et nous, on vous dira si c'est pourri, c'est pas de l'anglais. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui veulent rien dire. Donc c'est des verbes utilisés à n'importe comment et tout. Donc vérifiez que ce soit bien écrit. Et aussi, moi j'aime trop le look vintage un petit peu. Tout ce qui est en bois, tout ce qui est. Je l'ai fait à maison souvent les miens. Mais bon, là je suis en train de choper plein d'idées. La pauvre vendeuse, elle doit se dire, bah, elle va tout me voler mes idées. Bon, ça va, je les vends pas.
Aïe. Switches, it's not a problem. Cool, because you're so talented. Such a cool bus can you? Now where are we going? We're going home? Inside.